L'URSS, fin des années 80. La Voix de l'Amérique et la BBC ont rendu aussi célèbres qu'ailleurs dans le monde les superstars de la scène rock internationale, dont les disques et les cassettes alimentent encore un marché noir en pleine expansion. Depuis juin 80, le rock soviétique est né officiellement au cours d'un concert à Tbilissi. Étrange signe des temps, le marxisme comme le capitalisme auront donc secrété à quelques années près la même vague de fond venue d'une jeunesse à mal de repères qui s'invente une culture et une histoire qui ne doivent pas grand-chose aux idéologies des deux blocs. Comme à Leningrad, à Kiev ou à Sverdlovsk, des milliers de groupes sont nés. Celui-ci s'appelle Embouteillage. D'Estonie, où on recense près de 1300 formations de rock, le groupe Vitamine fait toujours un tabac à Moscou. Comme les autres, il passionne un public très jeune et très sage.
d'autant plus sage que les concerts se déroulent toujours en présence des miliciens. Il n'y aura ni rappel, ni bis. Sur tout le territoire de l'Union soviétique, les spectacles publics doivent être terminés à 23h. À la fin des années 70, rock égale décadence. C'est l'époque des déclarations officielles incendiaires, comme celle du défunt maréchal Oustinov, qui y voyait le terrain de culture idéal pour virus de l'idéologie bourgeoise. Excommunication proférée en pure perte, car pour la première fois, un mouvement social spontané se montrait plus fort que les rites de la société soviétique. Les apparatchiks du parti ont dû se rendre à l'évidence, malgré une éducation très stricte, une partie de leur belle jeunesse se défonce maintenant au décibel. Boris Grebenchikov vit, compose et joue à Leningrad depuis 10 ans. Son groupe n'est pas suffisamment sage pour accéder au droit d'enregistrer des disques. Boris et ses amis restent donc officiellement des amateurs. À ceux qui l'ont baptisé le tsar du rock, il répond qu'il n'est que le leader du groupe Aquarium. Pour moi, le rock a toujours remplacé la religion. Maintenant que je suis devenu croyant moi-même, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune différence entre le rock et la religion. Ça explique tout et je suis complètement dedans. Pour moi, c'est une quête spirituelle. Quelle est ta religion ? La même que tout le monde. Je crois en l'amour et tout ce qui va avec. La religion est unique partout, on peut lui donner des noms différents, mais c'est la même partout. Tu es un peu un hippie, non ? Je n'ai jamais fait partie d'aucun mouvement particulier. Je suis moi. Je ne suis pas punk, ni hippie, ni quoi que ce soit. Je suis moi. Je n'ai pas d'opinion sur aucun mouvement, sur aucune organisation. J'ai foi dans les gens, dans l'être humain. Quel est ton groupe préféré ? Les premiers que j'ai entendus, c'étaient les Beatles, et ils restent les meilleurs pour moi, même aujourd'hui. Till this day. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. Avenue Kalinine, la boutique Melodia, l'un des grands magasins de disques de la ville de Moscou. Depuis quelques années, les disques de rock l'emportent sur tous les autres. Un grand 30 cm vaut 25 francs. Pour le groupe qui l'a enregistré, le cachet varie entre 15 et 17 000 francs, quel que soit le tirage. À cette somme s'ajoutent les droits d'auteur sur les paroles et la musique. À chaque fois qu'un morceau est joué quelque part,
le tiroir-caisse socialiste fonctionne aussi bien qu'ailleurs. Compte tenu de l'argent rapporté par les concerts publics ou privés, le show business ne nourrit pas trop mal son homme, même s'il ne fait pas de milliardaire. Stas Namin, chef et compositeur d'un groupe professionnel de rock, qui a déjà vendu 20 millions de disques, nous a reçus en compagnie de sa femme, une chanteuse très connue. Ils sont superbement logés et équipés. Il ne leur manque même pas le magnétoscope sur lequel ils observent attentivement les chanteurs étrangers. Chez nous, à Moscou, tout a commencé par de petits groupes spontanés à l'époque du boom de la musique rock, des Beatles, des Rolling Stones. Nous étions au lycée, nous jouions leur musique. Elle était extrêmement populaire parmi la jeunesse, mais les autres générations, évidemment, avaient de la peine à l'admettre. Nos pères et nos mères n'y comprenaient rien et ne voulaient rien y comprendre. Ils pensaient que notre place était aux études et ils nous traitaient de voyous. Beaucoup plus tard, ils ont changé d'avis, ils ont changé de mentalité. Nous avions un problème à l'époque. Évidemment, quand nous jouions cette musique, cela suscitait une certaine réprobation. Nous chantions des chansons des Beatles, des Rolling Stones. Le problème était de chanter en russe, la question étant de savoir si la langue russe pouvait se concilier avec le rock. Moi, j'ai toujours pensé que toute langue pouvait convenir à n'importe quelle musique. Voici une chanson traditionnelle américaine, anglaise. Et maintenant une russe. C'est la même chose, les intonations sont très semblables. Stas Namin assume très bien son état de rocker officiel. Sa réussite fait des jaloux et ses détracteurs n'omettent jamais de rappeler qu'il est le petit-fils de Mikoyan, l'Arménien qui fut chef de l'État soviétique. Stas a profité de sa formation de cinéaste pour réaliser le premier vidéoclip soviétique. Un rock dont les paroles sont d'Andrei Voznesensky, le grand poète russe qui s'est lui aussi marié les audaces et la prudence. Soviétiques d'aujourd'hui aiment bien se frotter à la musique rock, moyen nouveau pour eux de s'adresser à des jeunes qui ont créé leur propre langue et n'écoutent plus grand monde. Dans ces images qui envoient à la casse l'année écoulée, perce la philosophie du poète et du rocker. La vieille nouvelle année, titre de la chanson, c'est un peu leur espoir que la société soviétique ne se reproduise pas éternellement à l'identique. Только в России празднуют эти 12 дней, как интервал в ненастье через 12 лет. Югою патриаршию позамело капот, новым не потерявшееся старое настает, будто репатриация.
La chanson est désormais connue, mais le clip n'a pas encore eu les honneurs d'une télévision soviétique qui reste un haut lieu du conformisme. Avant, le rock n'était qu'une musique de divertissement, une musique facile, légère. On chantait « Je t'aime chérie »,« La nuit dans tes bras », etc. Nous avons abordé la question du contenu très sérieusement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai une formation philologique universitaire. Mais nous sommes le premier et le seul groupe officiel qui utilise pleinement les thèmes de la vie civique. Nous chantons des textes de poètes professionnels, des textes pour la paix et pour la patrie. Ludmila Senchina, la femme de Stasnamin, nous a emmenés dans les studios de la télévision. Elle y répétait son premier rock. Vu d'ici, le mot rock peut paraître abusif, mais vu de là-bas, pour une chanteuse de variété traditionnelle très connue, il est audacieux de se lancer dans cette musique et dans cette mise en scène. Faut-il préciser que le rock sort à peine de l'underground et qu'il n'a pas encore conquis ses lettres de noblesse. Contrairement au jazz, le rock n'est pas la musique des intellectuels. C'est la musique qui descend dans la rue et aussi la musique populaire qui vient de la rue. Les jeunes font parfois plusieurs centaines de kilomètres en train pour venir à Moscou échanger des disques, des cassettes, des insignes, des posters ou des idées. On se donne rendez-vous place Pouchkine ou dans un café de la rue Gorki. Ces rockers, rencontrés par hasard, viennent de la ville de Vladimir, à 250 km de Moscou, pour le seul plaisir de parler à d'autres de leur petit groupe. Les banlieues de Moscou, de Kiev, de Tallinn, d'Irkoutsk, de Leningrad ou d'ailleurs ne sont pas plus gaies que les nôtres. Il en surgit le rock le plus âpre, le plus dur, parfois le plus désespéré. Un rock de la vie quotidienne où l'absence de chômage ne résout pas les problèmes existentiels. Vedette du Leningrad branché avec Aquarium, Kino domine largement les 170 groupes répertoriés. Pourtant, il n'a aucune chance sérieuse d'enregistrer un disque qui lui permettrait d'accéder à un public plus large. Chauffagiste dans une gare le jour, musicien le soir, Tsoï se passionne pour sa musique. Malgré sa femme et son bébé de 6 mois, il joue à chaque fois qu'il le peut, dans des concerts ou plus souvent pour des amis.
Pour cette répétition en appartement, le batteur, Africa, dont le surnom est déjà tout un programme, est allé jusqu'au bout de la provocation destinée à étonner les étrangers. I can begin. Notre groupe Kino existe depuis 82. Nous faisons la musique la plus branchée. Chez nous, il y a beaucoup de bons groupes, mais Kino se consacre aux problèmes de style, de mode, aux problèmes de la jeune génération. Nous sommes également tous peintres, philosophes, sociologues, et nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la mode. Et nous sommes tous chirurgiens. Nous faisons la musique qui nous plaît, envers et contre tout. Ce sanctuaire n'entre donc que les groupes qui ont fait un peu pénitence et n'effraient pas trop les apparatchiks des studios Melodia. Monsieur le directeur est un bon bougre, mais le rock est un peu son purgatoire. Combien y a-t-il de firmes de disques en Union soviétique ? En Union soviétique, il n'y a qu'un seul éditeur de disques, Melodia. Et nous produisons à peu près 200 millions d'albums dans tous les genres. Vous pensez que le rock est promis un grand avenir en Union soviétique ? Sans aucun doute, chez nous, le rock est très populaire. Nous le sentons par le tirage des disques et l'affluence aux concerts. Ce sont principalement les jeunes qui y vont. Est-ce que vous aimez le rock ? Je ne suis plus jeune, je préfère la musique sérieuse, classique. Le rock, c'est pour les jeunes. Vous avez des enfants ? Нет. Carnaval, le groupe d'Alexandre Barykine, répète son prochain concert dans les locaux du club des tankistes de l'armée. Comment gagnes-tu de l'argent ? I do not really earn it. Je ne gagne pas vraiment d'argent. When I need it, quand j'en ai besoin, j'en trouve. I do not have je n'ai pas tout le matériel que je voudrais, mais j'ai ma guitare, cela me suffit. So what? I have my guitar, that's enough for me. Quand j'ai besoin de plus, je me débrouille pour avoir plus. Somehow get more for a while. Tu n'as pas un emploi fixe ? Everybody. Tout le monde ici a un emploi permanent, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Je suis avant tout musicien. Mon métier officiel n'a aucune importance.
C'est juste un moyen pour gagner un minimum d'argent pour être libre de poursuivre ma propre voie. Y a-t-il beaucoup de musiciens qui arrivent à gagner de l'argent en faisant du rock ici en Union soviétique ? Quelques groupes officiels et quelques orchestres de restaurants. Mais personnellement, je ne les envie pas. Ils font de l'argent, mais pas de la musique. Je préfère faire de la musique. Les rockeurs du groupe Aquarium ne sont donc pas suffisamment dociles pour enregistrer des disques à Melodia. Ils se contentent de rafler des prix dans tous les festivals, à commencer par celui de Leningrad, où ils viennent d'obtenir un prix spécial pour leur contribution au développement de la musique rock. Un pied de nez qui explique que leurs cassettes se diffusent mystérieusement comme des blinis. C'est ici, à Leningrad, qu'a été créé le premier club rock de toute l'Union soviétique. La logique socialiste subordonne les autorisations de jouer en public et le choix des chansons au vote d'un soviet comprenant des membres des jeunesses communistes, des représentants des services culturels et des syndicats de la ville de Leningrad et des membres de certains groupes rock. Créé pour canaliser et contrôler l'engouement de la jeunesse pour cette musique, le rock club fonctionne selon les principes du centralisme démocratique. Les premiers concerts publics ont été émaillés de nombreux incidents, bagarres et interruptions de spectacles notamment, certains textes étant jugés pornographiques et indignes d'être interprétés en public. D'Aquarium à Kino, en passant par Alice, Télévisor, Jeux Insolites, Pop Mechanica, Rénovation ou Jungle, le rock se révèle moins récupérable que prévu. Et la culture de ces jeunes passionnés de musique s'exprime peu à peu au grand jour. Pour les groupes du club rock, il y a deux approches. Il y a ceux qui cherchent vraiment à faire de la musique et ceux qui en font partie parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais il y a tellement de choses à dire à ce sujet, ça ne peut pas rentrer dans le film. Le groupe secret est en train de passer du statut d'amateur à celui de professionnel. Son responsable est animateur d'une émission de la télévision de Leningrad consacrée aux nouveautés du disque et de la cassette. Nous avons eu l'honneur d'être présentés officiellement au seul groupe de Leningrad dont personne n'a jamais entendu parler. Pourquoi le groupe Lyra a été choisi pour nous rencontrer parmi les 150 groupes professionnels ou amateurs qui existent à Leningrad et qui sont renommés pour faire de la bonne musique? Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que nous sommes un très bon groupe. Cela fait 20 ans que j'en fais partie. Работаю в нем уже 20 лет.
Nous avons mérité ce succès, nous sommes très populaires, nous avons beaucoup enregistré, beaucoup d'œuvres très intéressantes. Est-ce qu'il faut être au Parti communiste pour être dans un groupe professionnel ici en URSS ? Non, bien sûr. Vous n'êtes pas au Parti communiste ? Il y a communiste. Si. Moi, je suis communiste, mais ça ne veut rien dire. Chez nous, il y a beaucoup de gars qui ne sont pas au parti et qui jouent. Ce n'est pas obligatoire. Alexandre Sitkovietsky et le groupe Autographe viennent de faire leur percée chez les professionnels. Ils ont été le seul groupe soviétique admis à participer de Moscou au concert mondial pour l'Éthiopie. Comme beaucoup d'autres, ils sont nés en 1980 au cours du plus fantastique festival rock qu'ait connu l'URSS à Tbilissi devant 80 000 personnes. Je suis journaliste indépendant et j'écris principalement sur la musique rock, soviétique et de l'Ouest. Cela fait longtemps que vous faites ce travail ? Mon premier article a été publié en mars 1975, cela fait donc 10 ans. Quelles sont les conditions requises à un groupe amateur pour passer professionnel ? Well, I think that
Il y a deux conditions fondamentales. La première est qu'un groupe rock doit faire preuve d'un potentiel commercial. Il doit être capable de remplir les énormes salles. C'est un point essentiel pour l'administration qui organise les concerts. La seconde condition est que son répertoire doit satisfaire le Conseil des Arts. Qui écoute sa musique et qui décide si ça va ou si c'est trop subversif. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Seulement les groupes officiels ou bien des amateurs? Il y a surtout des groupes souterrains et quelques groupes New Wave de l'Ouest. Je ne garde pas les bandes des groupes officiels. Je ne les trouve pas très intéressants. De ce studio appartement qui est le mieux équipé de Moscou est sorti un album de cassette, L'île des bananes, qui vient de dominer le hit-parade pendant des mois. Il s'agissait pourtant d'une production parallèle et privée. Musicien professionnel, Andriy Chernyavsky est le pape du son à Moscou. D'autres studios de Moscou et d'ailleurs reproduisent les cassettes des groupes amateurs ou professionnels qui n'ont pas la chance d'être édités par la firme Melodia. Ces cassettes se vendent dans des circuits parallèles, ce qui rend le retour des royalties aux artistes très hypothétique. En quelques années, et malgré les tracasseries des autorités, le rock a installé peu à peu ses circuits, son petit monde de journalistes spécialisés, de photographes et de groupies. On voit même surgir des impresarios qui n'osent pas encore dire leur nom et la cohorte habituelle des jolies filles et des parasites. Un certain show business à la russe, encore un peu guindé, anime les belles soirées privées des câblés soviétiques. Les hit-parades font leurs premières apparitions dans la presse pour jeunes et dans les revues musicales. Il n'y manque que les programmes et les calendriers des concerts. Et voici la seule star soviétique qui s'affiche dans les rues, Alla Pugachova. La grande, l'unique, la star rouge, celle qui chante aussi bien le blues que le rock. Qu'est-ce que c'est d'être une star spécialement en Union soviétique? C'est pareil que chez vous. Mais avec l'argent en moins. Dès qu'elle arrive à Moscou, les femmes campent jour et nuit au pied de son immeuble de la rue Gorki. Leur espoir, une simple parole, un disque, un autographe ou une photo. Pendant leurs vacances, certains la suivent de ville en ville. En hiver, les irréductibles n'hésitent pas à battre la semelle par moins 30. Vous parlez avec vos parents de cette musique. Est-ce que vos parents aiment aussi cette musique-là? Oui, ma mère, par exemple, elle aime beaucoup Allah, elle aime les groupes aussi, elle écoute avec moi.
Ces concerts ont toujours lieu à guichets fermés. Mais les fans de tous âges se voient privés d'une partie des places disponibles, réservées traditionnellement aux travailleurs méritants que l'on amène au spectacle sans leur demander s'ils aiment cela. Pas question de bouder un spectacle offert par le parti ou par le syndicat. Et maintenant, le groupe Jerez de Suède. Nous allons tous ensemble boire un élixir de jeunesse. Dans le duplex qu'elle occupe pour quelques jours dans un hôtel de Leningrad, Alla joue les stars à la perfection pour les journalistes de la télévision régionale, ce qui ne l'empêche pas de parler avec une franchise redoutée par ses interlocuteurs soviétiques. Dès que chez nous, il se passe quelque chose de non officiel, tout de suite, il y a des camarades étrangers qui demandent. Alors, chez vous, il paraît qu'il y a des groupes rock non officiels, des clubs de rock. Pourquoi cela les intéresse-t-il, eux? Parce que tout n'est pas normalisé. Et ils ont raison de s'y intéresser, parce que si on donnait un plus grand public à nos groupes, ils seraient moins nombreux et de meilleure qualité. Thank you.
Est-ce que c'est le devoir, le rôle d'Alla Pugacheva d'aider, de protéger même tous les jeunes qui veulent faire de la musique moderne et même ceux qui veulent faire du rock'n'roll? Oui. Bien sûr, je me sens obligé. Vous êtes omnibulé par le rock. Je me sens personnellement obligé d'aider tous les jeunes et les gens talentueux. Dans n'importe quel domaine, n'importe quel genre. Parce que si ce n'est pas moi, ou quelqu'un qui a déjà atteint une position importante, alors qui les aiderait ? Vous voulez passer professionnel, officiel? La musique que fait notre groupe Pop Mechanica ne convient pas vraiment à la firme Melodia. Elle n'est pas destinée à un très large public. Ce sont nos amis qui l'écoutent. Si Melodia faisait un disque, on peut facilement imaginer que les gens ne comprendraient pas et seraient horrifiés. Mais je pense que les temps vont changer et Melodia finira par nous enregistrer et des millions et des milliards de gens sur la planète pourront apprécier notre musique. Pop Mechanica est la formation qui rassemble les leaders des meilleurs groupes de Leningrad. C'est important de dire qu'il y a un an, j'ai été invité au festival de jazz du Mans, en France. Le programme était déjà imprimé avec mon nom, Sergei Kouryoukin. Mais malheureusement, les autorités compétentes ont décidé d'envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Il n'a pas remporté un grand succès à ce qu'il paraît. Comment vous organisez vos concerts? Pourquoi il n'y a pas de publicité? Tout s'apprend de bouche à oreille. Tout le monde se connaît, tout le monde sait tout sur tout le monde. C'est un pays très ouvert, c'est une ville très ouverte, c'est un peuple très ouvert. Le bouche à oreille permet de se retrouver entre soi, mais aussi d'éviter la curiosité tatillonne d'une des polices les plus efficaces du monde. Breakdance in Red Square. Каждый из
моя вода, и мы едем, не знаю, зачем мы, куда мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок в троллейбусе, который идет на восток, в троллейбусе, который идет на восток, в троллейбусе, который. Шофера, но троллейбус идет, и мотор заржавел, но мы едем вперед, мы сидим, не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который. Nous n'existons pas en dehors du socialisme. Nous en faisons partie intégrante. Nous sommes russes et moi personnellement, j'aime vivre ici, en Russie, socialiste. C'est le seul endroit pour moi. Alors pourquoi les autorités de ce pays ne te font-elles pas une plus grande place? Tu pourrais aider le socialisme. Oui, je pense que je l'aide, mais l'ennui, c'est qu'il y a un fossé avec les autorités qui ont en général plus de 40 ans. Ils sont habitués à un art différent. Ils pensent que l'art est juste une forme de divertissement. Et ils ne sont pas habitués à ce que nous faisons. And so it takes time, it just takes time. C'est une question de temps pour qu'ils s'habituent. I hope. Je l'espère. Some more questions? Bien sûr, beaucoup d'autres questions. Mais pour deviner un peu de l'URSS de demain, il serait plus instructif de traduire les milliers de rocs et leurs paroles à double sens qui troublent le silence apparent de la société soviétique plutôt que de tendre désespérément l'oreille vers les murs du Kremlin où le rock est encore pour le moment une affaire d'État. Мы стояли слишком гордо, мы платим втройне за тех, кто шел с нами, за тех, кто нас.